Hi Vogue, welcome to my house and today we are gonna get ready together. Bien sûr. Coucou les modeuses, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous fais un get ready with me. J'étais totalement KO du coup. Aujourd'hui j'ai fini beaucoup de vidéos et je me suis dit ah tiens, j'ai jamais fait un get ready sur ma chaîne avec vous. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc mon make-up de tous les jours est concentré que sur le teint et bien sûr mes brows. Et du coup c'est assez rapide, je le fais en 10 minutes, c'est très facile et du coup on va le faire ensemble et on va commencer tout de suite. On commence avec une baume à lèvres, celui-là vient d'Yves Rocher, c'est très important. Après on va venir tout simplement avec le primer. Donc voici mes préférés, donc on a d'abord le Fenty Beauty Profiteur Instant Retouch. Donc c'est tout simplement une base retouche instantanée. Après nous avons le NARS, donc c'est le primer. Celui-là est spécialement fait pour tout ce qui est pores et si je ne me trompe pas, celui-là donc c'est pores et brillance. Cependant il y a aussi celui avec SPF, donc l'été j'utilise celui avec SPF. Et le dernier que j'utilise assez souvent c'est celui-là, c'est de Milk Product, donc c'est le Hydro Grip, il est très bien et comme vous pouvez voir il est presque fini. Je vous ai pas dit au fait, mais bien sûr ma peau est déjà préparée, j'ai déjà mis mon sérum, mon moisturizer, tout est déjà prêt. Alors pour mes sourcils j'utilise donc différents produits. Je commence avec ça, donc tout simplement pour venir étoffer. Vous voyez la différence entre ici et celle-ci. Je vais m'approcher donc entre celle-ci et celle-ci. C'est totalement différent juste avec ça. Donc ça je l'ai eu dans le kit sur Beauty Bay de Anastasia. Bien tout simplement avec le Brow Precise de Maybelline en numéro 5. Je vais venir surligner les extérieurs. On s'en fout, on essaie de garder la forme, mais si on dépasse, pas grave, il y a de l'antisseur. Donc, on revient avec celle-là, rebrosser vers le haut. Et on va venir avec le... Donc ça, c'est le Goof Proof. C'est, vous savez, le plus gros de chez Maybelline, de Benefit. Et on va venir tout simplement remplir les sourcils. Ça va, c'est vite. Voilà, les sourcils sont faits. On va aller maintenant au teint. Pour le teint, si vous n'avez pas remarqué, j'ai des dark circles. Donc, je vais venir juste avec le concealer de LA Girls. Je vais venir mettre dans des endroits que je trouve que ma peau est un peu plus foncée. Il n'y en a pas beaucoup, c'est juste que c'est par habitude. Là, je vais prendre tout simplement mon doigt. Donc maintenant que je ressemble à quelqu'un qui a été malade pendant 25 ans, on va venir mettre tout simplement le fond de teint partout. Voici le fond de teint que je vais utiliser, donc c'est de Bobbi Brown, c'est le fond de teint longue tenue ultra léger SPF 15 et aussi le NARS, donc c'est le fond de teint éclair naturel longue tenue. Elles sont presque pareilles et je les adore avec le Beauty Blender. Alors moi, je sais pas pour vous, j'arrive plus à mettre mon fond de teint. Je peux mettre pinceau mais il faut que ça passe avec le Beauty Blender. Si vous êtes quelqu'un qui adore en fait l'effet couvrant mais naturel, je vous conseille vraiment ces deux fonds de teint là. Donc voilà, le fond de teint est mis et on va mettre l'anticerne. Pour l'anticerne, on a ces bébés là, donc c'est le meilleur anticerne. Les tartes aussi sont juste au top, mais celui-là pour moi c'est le meilleur anticerne, donc j'adore. Et on va mettre chestnut et on va faire un mélange parce que chestnut est parfait pour l'été, mais il est très très nul pour l'hiver parce qu'il est, donc on dirait pas, mais là il est un peu, il est plus foncé que mon fond de teint. Et après on va venir mettre, donc celui-là c'est Butterscotch, donc c'est le Born This Way Multi Sculpting, donc ça fait conceal, ça contour, ça highlight, ça retouch, il est vraiment au top. Maintenant l'anticerne a fini de faire sa lèvre, on va venir blend. Et voilà, on va venir mettre Butterscotch. Donc Butterscotch, on vient le mettre que à l'intérieur ici parce que c'est que là que
que j'en ai besoin. Je veux pas mettre plus, c'est largement assez. Pour fard à paupières, je vais utiliser le Just Peachy de Too Faced. Et on va utiliser la couleur Peach Cover, c'est celle-là. Et c'est l'une que j'utilise le plus au monde, comme vous pouvez voir. Voilà, aussi simple que ça. Voilà, ça réveille un peu déjà la peau et on va venir mettre un eyeliner. Pour l'eyeliner, je vais venir utiliser le Kiko. Donc celui-là, c'est un eyeliner waterproof. Et après, j'ouvre l'œil juste pour confirmer que j'aime bien la forme. Et voilà, que l'eyeliner fait sa life. On va venir blender tout ça. Regardez, j'ai mis de l'eyeliner sur ça. Non mais c'est un truc de fou en fait. Je ne peux plus dire. Non, moi j'aime bien mélanger avec mon fond de teint. Donc c'est ça que je fais après avec le reste. Donc pour la poudre, je viens utiliser celui-là. Donc vu qu'il y a du blanc, je m'enfonce, mais c'est pas grave. C'est de Sephora. Ouh, ah ben, il y en a partout. On vient tout simplement utiliser avec vraiment ce genre de pinceau. Ça vient lisser l'anticerne et on va venir mettre l'anticerne comme la poudre sur l'anticerne comme ça. Regardez l'effet que ça fait, j'adore. Hop, et on vient mixer encore. J'ai recommencé à un peu utiliser la poudre jaune, je l'avais mis un peu de côté, mais à nouveau je commence à la réutiliser. Donc c'est le Sasha Cosmetics, il est très bien pour les peaux noires et mates au fait, donc c'est parfait. Vu que j'ai voyagé, il y en a partout. On va venir prendre un autre beauty blender et on va vraiment venir le mettre où on en a besoin. Donc pour moi c'est ici, juste en dessous de l'œil. J'adore au fait MAC pour leur poudre fixante, c'est un truc de fou. Quand on a fini la poudre fixante, on va mettre la poudre bronzante. Donc, je ne veux pas en mettre beaucoup. Quand on a fini avec ce qui sort, on va venir l'enlever. Et moi, j'enlève assez sauvagement, je m'en fous. je m'en fous. Allez, on frotte. Hein. Et voilà, je vais prendre où j'avais mon bronzing powder, tout simplement pour mettre un peu comme ça. Reprends la brosse, le pinceau où j'avais en fait mis la poudre fixante et le remettre sur le nez. Je trouve que depuis qu'on met le max, là pour moi ça frotte trop. En blush, j'utilise beaucoup le nouveau, donc c'est un fard à joues de Rare Beauty et c'est la couleur Love. Après, on va venir highlight. J'utilise le pinceau d'Anastasia, le meilleur pinceau de highlight, et le Bobbi Brown. Ça, je l'ai eu en cadeau, donc c'est le Shimmer Break Compact. Très contente de l'avoir eu en cadeau, je veux dire, parce que ça coûte cher. Pour le mascara, je vais pas le mettre en caméra parce que je me rate tout le temps. Donc c'est le Telescopic Peak Extra Black de L'Oréal. Et voilà, un peu de mascara. Ça change la vie ou pas? Oui, ça change la vie. On va utiliser Cork de MAC. On vient avec le Soft Matte Lip Cream, le crème à lèvres douce et mat de NYX Abu Dhabi. Et je viens mettre Praline en gloss, toujours de chez NYX. Et voilà le Vogue, le look est terminé. Je manifeste bien sûr au futur, on sait jamais. En tout cas les modos, c'était tellement avec plaisir de vous avoir à la maison avec moi. Et une vidéo un peu différente. Si vous avez la peau noire, j'espère que vous allez trouver des nouveaux produits tout simplement pour vous rendre belle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace de commentaires. Et tout simplement, je vais aussi vous mettre en lien tout ce que j'ai utilisé et j'essaie de pas oublier parce que de toute façon je vais regarder la vidéo à nouveau juste pour être sûre de vous mettre tout ça. J'espère que vous avez adoré de passer ce petit moment avec moi et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
If it's real, cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, 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 nah, trip, trip, trip.